Une araignée qui fait des pompes sur un miroir. Oh putain. Je pensais que t'avais une blague sur un cœur qui poum poum. Ah non. Poum. Non, c'est une araignée qui fait des pompes sur un miroir. T'as appris ça où? En école primaire. Dans les années 80. Pourquoi là d'un coup? Je ne sais pas. Ok, bah écoute, c'est offert, hein. On prend, Voilà. hein. C'est le 21 décembre. C'est bientôt Noël, l'enfance remonte. C'est l'hiver. Ah oui, c'est vrai, Bah c'est oui. l'hiver. Bah jingle bell alors! Ah oui? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est une émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de connir, pour la rime. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Connir, ça a rimé avec quoi? Rire. Ok. Forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de conneries. Oui. Voilà, on regarde le cadeau des gens. Le petit cadeau des abonnés! Alors j'ai un problème. J'ai perdu le mail du cadeau de l'abonné qui nous a envoyé le cadeau là. Ah merde! Donc je ne sais pas qui est cet abonné. Oh, mais non, mais. Mais Mais! il est en vidéo. Donc c'est lui. Donc il va se reconnaître et les gens vont dire, mais enfin! C'est lui! Et en plus, on l'a déjà eu dans Bad News. Il est déjà venu dans Bad News, mais j'ai oublié son nom. Et j'aurais pu faire des recherches. Mais je m'en bats les couilles. Pourtant, quand est-ce qu'il est déjà venu? que la À Pau, je crois. montagne est Tony? belle, comment Peut-être. peut-on s'imaginer, Je le reconnais pas. en voyant un Il m'a dit qu'il bord était allé à la salle. En fait, le problème, c'est que les gens nous envoient maintenant même des vidéos avec le générique, et c'est génial. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les mettre à la fin de Bad News, puisqu'on a notre générique à nous. Ah, moi j'enlève la vidéo. Ben voilà, donc j'en profite et je les mets dans Bad News, dans les cadeaux de l'avant, parce que voilà. Donc vous envoyez-nous des MP3, parce que désolé, le grand livre des faits divers à la con. Le grand livre des faits divers à la con. En 2009, un jeune homme de 19 ans, logeant dans un foyer de jeunes travailleurs à Rosendal, au nord de Dunkerque, alors qu'il se trouvait sous la douche, au troisième étage de l'établissement. Donc c'est pour ça que je chantais au début, genre, ah là 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 là. Pas de news, c'est l'émission de l'autre actualité. Ah oui, c'est le Et savon. tout à coup, le bac à douche se brise. Comme du verre. Et, là, 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 là. Et il tombe dans la douche d'en dessous, puisque les trucs sont les mêmes. Et qu'est-ce qui se passe quand il tombe dans la douche d'en dessous? Bah dis donc. Bah, exactement, un tremblement de terre. Attends, je remets. Hop. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah il est tombé sur la voisine. Non. Le plancher de la douche explose. D'en dessous? Et il se retrouve en dessous? Dans la douche de deux étages en dessous. D'accord. Voilà. Il dit, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. L'homme a fini sa course au premier étage avec une artère sectionnée. Ouais, mais attends, mais il est vivant? Oui. Le mec, il devait être... Non, parce que, Thomas, quand on dit, il est tombé, il a une artère sectionnée, on dit pas, il est tombé, il est mort. Sinon, j'aurais dit, tombé, il est mort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il a une artère sectionnée, il s'est vidé de son sang, il est mort. Non, ça s'arrête là. Il a une artère sectionnée, donc je pense qu'on a fait ça et que ça va. Ouais. On passe à la bad news perso de Manon. Ah bah non, tu m'as fait du plaisir. Enfin, toi aussi a priori. Manon annonce en disant que c'est la pire honte de sa vie. Quand j'avais 15 ans, j'allais à des cours de boxe thaï les mardis soirs et jeudis soirs. Mais en vrai, ça me plaisait pas plus que ça et je m'étais embrouillé avec toutes les meufs du club pour des raisons stupides. Donc j'enchaînais les règlements de compte, et avec mes bras en mousse et ma vivacité de moule, bah c'était pas très glorieux, mais je soliloque. Bravo Marion, le mot le plus intelligent dans Bad News, c'est grâce à toi. Heureusement, cette fois-ci, j'avais un plan pour ne pas aller à la boxe. Mon père est musicien professionnel, et le soir, il va régulièrement donner des concerts. Je suis donc souvent seul en soirée. Une fois, comme le concert était loin, mon père doit partir assez tôt de la maison, vers 17h. Et avant de partir, il me demande, comme d'habitude, de lui envoyer un SMS quand je serai rentré du cours de boxe. En effet, je termine les cours à 22h et le club est dans une zone qui craint un petit peu. Je lui dis, mais oui papa, comme d'hab, allez, à plus, hein, allez, va faire ton concert, allez, sors de la maison, va-t'en, va-t'en. Et quand il part, fille indigne que je suis, j'appelle mon petit copain de l'époque pour qu'il vienne et qu'on puisse passer la soirée ensemble. La soirée se passe. Et là, je vois qu'il est 22h20 environ, heure à laquelle je rentre habituellement du cours. À ce moment-là, je suis au lit avec mon copain. Je prends mon téléphone portable, et pile au moment où j'allais envoyer un message,
mon copain me prend sauvagement et me fait une gâterie du feu de Dieu. Alors forcément, je crie. Je crie. Et après ce moment intense, je réalise que j'ai toujours mon portable dans la main. Je commence à ressentir que quelque chose de bizarre s'est peut-être produit. Comme un message vocal, par exemple. Ou un appel. 2 secondes plus tard, mon père m'appelle. Je réponds. Allô ? Manon, où t'es ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu des cris ! Là, mon teint devient blafard. Je bafouille. Mon père avait tout. Tout entendu. T'es avec ton copain, c'est ça ? Bah non ! Oui ! Mais putain, Manon, j'ai cru que tu te faisais violer, Manon. J'ai appelé la police, je suis sorti du concert, j'ai eu la peur de ma vie. Bon, on en reparle demain. Et il raccroche. Même si j'en ris maintenant, je te raconte pas le traumatisme pour nous deux. J'en ai même fait une BD, parce qu'elle est autrice de BD. Ah ! Ben, a priori, en tout cas, son père l'écoute avoir des orgasmes. Bon, rendez-vous demain pour la Bad News de Noël. Oui, en demain. 2 jours en avance. Oui, mais c'est le 22, mais c'est le mardi, Bad News. Alors, bah bon, oui, bah, voilà, oui, bah, à un moment, voilà. En même temps, il y a des Bad News le 24 aussi, mais bon. Donc, voilà. Bref, en tout cas, demain, rendez-vous pour la grande Bad News de Noël. Eh ben, à demain. À demain. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr. Je peux faire pire, je vais tuer des gens, c'est réel. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver.